Bonjour à tous. Alors, nous sommes samedi 16 mai, il est 1h. Je vais essayer de faire la vidéo sur un créneau de à peu près 1h aujourd'hui. Parce qu'à 2h30, il y a le live d'Alexandra Fontaine, Ma Passion d'épée, où je ne veux pas le louper. Donc, hop. Du coup, aujourd'hui, je me suis lancé un petit défi. J'ai du la toile à Canva que j'ai récupérée à mon travail. J'ai des perles, du moins des diamants qui me restent, que je ne sais pas quoi faire. Et du coup, ben, je me suis lancé un petit défi. Je me suis fait un petit schéma. Hop là, je vérifie que vous voyez. Hop là, un petit schéma. Et je vais essayer de reproduire ce petit schéma sur ma toile avec des perles, des diamants. Voilà, donc j'espère que ça va marcher. Hop là, allez, du coup, je me suis pris une petite règle pour essayer de me caler correctement. Hop. Alors, je sais pas vous, mais moi, aujourd'hui, il pleut. Donc c'est super, je suis en vacances. Il pleut bergère. Normalement, je pense que ce soir, je vous mettrai la vidéo de mes achats que j'ai fait à Centre Accor à la Mure, de mon test de vernissage vernicole avec les... Excusez-moi, j'ai pas tout pris. Avec les le vernicole de Centre Accor. Désolée, je trouve pas mes mots. Donc, le vernis qui est super bien, pas très cher. Franchement, la qualité. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, c'est années 80, la musique. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Années 80 aujourd'hui. Je suis très très années 80. Donc si ça marche, tant mieux. Ça peut être une idée pour passer le reste des diamants. Le reste des diamants qui nous reste des épées. Du coup, ce matin, j'ai quand même regardé quelques vidéos que j'avais pas encore regardées. Dont celle, alors je crois que c'est Audrey qui parlait de la reprise de ses cours. Je l'ai adoré sa vidéo, effectivement. On a tendance à tous se trouver des excuses pour pas faire des choses. Et je crois que c'est un peu, on est tous un peu pareil, on aime bien dormir sur nos lauriers. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, cette chaîne.
Elle me fait. Donc, si tu passes par là, si c'est ton prénom, Audrey, j'ai un gros doute, mais je crois bien que c'est Audrey. Je t'adore. Tu me fais rire. Tu me fais sourire à chaque fois que je regarde tes vidéos. Après, j'adore toutes vos vidéos. Hein. J'ai pas. Voilà. Merde. J'adore toutes vos vidéos. Alors, bien évidemment, je suis partie avec rien du tout en préparation. Bien évidemment, je suis partie sur la vidéo sans préparer la colle ni rien. Je commence à prendre de plus en plus goût à vous faire des vidéos. Pour vous dire, ce matin à 7h30, j'étais en train de boire mon café pour préparer la vidéo là que je vais vous poster, je pense, ce soir. Parce qu'on avait fait le test hier soir avec mon mari sur le vernicole, sur un petit bout de carré du premier DP là, que j'ai verni en live. Bon, en live, en vidéo, et j'avais hâte de voir le résultat. Le résultat. Donc, hop. Et du coup, j'ai dit sur deux. Les petits lives, je les aime bien. Les petites lives, les petites vidéos, les petits lives. Du coup, vous donnez des idées. Par moment, je me dis si mes voisins m'entendraient parler toute seule, ils vont me prendre pour une folle. Mon mari me prend pour une folle par moment. Elle fait bien rire d'ailleurs. Alors, je vais faire une économie de colle parce que je ne sais pas du tout quelle quantité de colle faut poser dessus. Je ne sais pas comment positionner bien mon roller. Est-ce que je fais un petit carré complet ou pas? Ça, je pense que la prochaine lettre, ça sera avec... un carré complet. Pas de colle, ma fille, ça va mieux coller. Mais par contre, je trouve quand même que j'ai encore pas mal de choses à apprendre sur vos lives, sur vos vidéos, pardon. Sur l'organisation, sur le parler. Sachant que moi, je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise sur tout ce qui va être vidéo, présentation, discours et tout ce qui s'ensuit. Je suis pas du tout à l'aise. Mais je pense que c'est un très bel exercice. Ces vidéos. En plus, j'aime pas ma voix. Elle est horrible. En vidéo, elle est horrible. Mais bon, on va faire avec, hein, je peux pas la changer. Ça va faire 40 ans que je l'ai. C'est pas maintenant que vous allez me changer. Comme ça. Hop. Et ben, il y a juste une petite erreur que je vais essayer d'enlever. Je trouve que c'est pas trop mal. Je sais pas si à la vidéo. Si. Hop. Je vais juste enlever celui-là.
Et ben ça colle. Et ben le premier, la première lettre est pas trop mal. Bon, effectivement, j'ai fait que sur en hauteur de 9 et 7 de large. De largeur, parce que je ne savais pas trop comment faire. Mais il n'empêche que je trouve que c'est pas trop trop mal. Putain, pour quelqu'un qui travaille dans un magasin de papeterie, à chaque fois je prends le roller à l'envers, c'est super. Bon, je vends la papeterie, hein, je ne les teste pas tous forcément. Hein. Allez, je vais lancer sur un petit carré, je verrai. De toute manière, c'est un essai. Comme ça. Pour être à peu près droite, je suis un peu biais moi déjà à la base. Et bah c'est difficile de se concentrer sur le dépit, ne pas chanter et de vous parler. Je vous dis bravo à toutes hein, et à tous, hein, parce que quand vous arrivez à faire vos vidéos qui sont magnifiques, mais je ne désespère pas, je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, 6, 7, 8. Je vais y arriver à faire comme vous, hein. Donc ouais, je suis obligée de me trouver des petites occupations parce que je vais bientôt arriver sur la fin de mon tigre. Je pense que je vais m'y mettre plus demain sur mon tigre. Pour faire le tigre. J'espère de tout cœur que lundi ou mardi, la factrice va être gentille et qu'elle va m'emmener mes colis. Enfin, mon colis avec mes 3 DP. Voilà, donc parce que je suis un peu nouvelle dans l'activité d'épée, on va dire. Et 3, 4, 5. Et ben je me suis fait avoir comme une grande débutante, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas de d'épée d'avance. Et je suis très très frustrée de ne pas en avoir. Donc là j'en ai 3 qui vont arriver. Donc je suis super contente qu'il y en a 3 d'un seul coup qui arrivent. Ça c'était le petit craquage du mi-avril. Et là je vais en avoir 3 d'avance et j'en ai commandé. J'en ai commandé je ne sais plus combien derrière. Je commence à faire mon petit carnet avec comme certains d'entre vous font. Et ben j'en suis à 11. Donc j'ai commandé le DP pour le défi qui a été expédié. Donc, au total, j'en ai 11. Et je me suis un petit peu beaucoup lâchée. Mais au moins, je ne serai peut-être plus frustrée comme je le suis aujourd'hui de ne pas avoir de DP d'avance. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Parce que là, franchement, je me freine pour pas faire
trop de tigre. Voilà. J'ai même dit à mon mari ce matin, je sens que je vais descendre sur la zone commerciale là où je travaille, au magasin où ils en vendent, qui s'appelle le magasin couleur, pour aller m'en acheter un. Mais mon mari m'a dit non. Il me dit au prix tu les payes. Parce que pour info, le tigre, je l'ai acheté là-bas sur un craquage parce que bien évidemment, j'avais pas. C'est quand j'ai fini mon premier DP du chat. J'avais commandé les deux autres qui étaient toujours pas arrivés et j'ai craqué. Voilà. Et je crois que j'ai acheté le DP chat, le DP tigre, pardon, et le soir même ou le lendemain, je recevais les autres DP. Donc, effectivement, le DP c'est bon pour le moral. Ça fait du bien. Et bah écoutez, je sais pas quel est le rendu sur la caméra. Il est super. Et bah je trouve ça super. C'est pas trop mal, je trouve. J'attends vos commentaires si cela ça vous plaît. Et allez, vas-y, encore une fois à l'envers. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je serai posé du roller coll sans me tromper. Hein. Danser, danser. Non, je vous rassure, je ne ferai pas The Voice. Je ne ferai pas The Voice. Comme je disais l'autre jour à mon boulot, j'aurais dit non, je vais pas faire ça parce qu'après je vais devenir célèbre, je vais être obligée de quitter mon boulot et je vais leur manquer. Donc ça les a fait rire. Donc là je fais le choix de faire tout de la même couleur. C'est la seule couleur que j'ai en quantité, que j'ai pas de référence DMC dessus. Ça va être le premier que j'ai fait. À voir la couleur, je dirais que c'est du noir. Alors, si vous avez une petite astuce suite à cette vidéo à me donner, parce que vous voyez j'ai mon petit papier là avec mes avec mes petites croix que je suis en modèle, sachant que je ne peux pas imprimer sur ma toile de canevas, donc si vous avez une astuce pour essayer de faire du marquage sur ma toile, je suis preneuse. Mais je pense que ça peut être une bonne... Je pense que j'ai une petite... Une bonne idée. Parce que... on peut-être pas faire du DP comme on fait imprimer, mais faire des petites activités comme ceci, ça peut être... Pardon. Ça peut être sympa. Donc... Ça peut être une bonne partie d'occupation. Voilà. Par des motifs. Pour ceux qui dessinent bien. Voilà. Moi, je suis très très nulle en dessin. Donc, je ne ferai pas de dessin. 2, 3, 4, 5. Pour ceux qui se débrouillent bien en dessin. Je pense que ça peut être un super truc à de dessiner et de poser les diamants dessus. Ça peut être une idée. Yeah.
Je suis concentrée, donc je parle pas beaucoup. Hop. Si vous avez des blancs, je suis navrée. Entre la concentration, comme j'ai dit tout à l'heure, et la musique. Là, j'avais envie d'écouter un peu de musique, mais du coup, joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà. Et ben, moi je dis, quand t'as pas de pétrole, tu peux avoir des idées. Et je pense que ouais, pour les personnes qui savent super bien dessiner ou faire de la calligraphie, je pense que sur la toile comme ça peut être une idée de faire quand on n'a pas de DP à la maison, qu'on est en rupture. Ça peut être une idée. Donc après là j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres déjà de fait. Parce que j'ai pris le nom de ma chaîne et j'ai préparé mes lettres. Mais après s'il y a besoin peut-être que je pourrais vous faire le reste de l'alphabet. Et de vous y poster soit sur Facebook, soit sur YouTube, là sur la chaîne. En vous insérant un PDF dessus. Bon, après c'est tout bête. Hein, bon. J'ai un peu galéré la première lettre parce que hop. Pour savoir la hauteur parce que je ne savais pas trop combien de hauteur je prenais. Et du coup, je sais plus si je vous l'ai dit mais j'ai pris 9 en hauteur et 7 de largeur pour essayer d'avoir des lettres à peu près propres. Hop, je regarde un peu ce que ça donne, mais ça donne super bien. Assez fière de moi quand même. Il faut s'auto-complimenter. Moi je vous le dis, ça fait du bien de s'auto-complimenter. Et hurrah, je l'ai pris dans le bon sens du premier coup, le roller. Alors je sais pas si c'est colle comme ça, roller ou colle liquide, je sais pas, à voir. Je pense que là je vais finir mon prénom avec ce roller là et après je vais peut-être pour changer de mère, je vais pas en avoir assez, ça c'est sûr. Et comme je ne travaille pas, je ne vais pas descendre au boulot m'acheter des rouleurs comme ça. Mais un ch'touille beaucoup trop mis. Un sur 2 et sur 5. Et je pense que ouais, il faut trouver un autre moyen pour encoller les diamants. Donc, une fois que ça sera fait, je lui poserai du vernis colle dessus. Oh, jolie poupée. Je lui poserai du vernis colle dessus. Je suis en train de me rendre compte que je suis pas bien droite. Je pense que l'idéal serait de voilà, je suis partout de travers, d'écrire sur la toile ou de dessiner sur la toile, parce que là je me dis j'ai un sacré espace ici. Enfin, j'essaye avec la règle d'être à peu près droite, hein, mais
Et je descends. Je vous ai dit hein, que j'étais pas droite hein, dans ma tête. Hein. Hop là. Je vais essayer de vous finir le prénom déjà. Et ça va bien faire tout. 20 minutes, 25 minutes qu'on est ensemble. Mais je pense qu'il a trouvé une astuce ouais, pour que ce soit super droit. Après là c'est un test hein, que je vais lui faire avec vous. Et 8. Donc une fois que hop là, parce que là à la longue on se perfectionnera. Sinon quoi de beau à vous raconter? Bah écoutez, pas grand chose. Il fait moche, je suis en vacances. Donc les vacances vont être longues. S'il fait moche, je pourrais pas profiter de mon extérieur. Pas grave, hein, je ferai des choses à l'intérieur. Hein. Donc les journées vont être un peu plus longues, mais bon. On va s'occuper. Sinon, j'ai commencé mon petit carnet, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Avec le référencement des DP que j'ai fait, que je vais faire. Et bon, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus pour vous présenter. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Tenez, hop, je vais vous faire travailler un peu. Si ça vous intéresse de le voir, le carnet ou pas. Après, j'ai pris un peu exemple un peu sur donc je crois que c'est Hélène qui a fait un carnet. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc je n'arrive jamais à me rappeler si je ne marque pas la personne. Et ben vous pouvez être sûr que je n'arriverai pas à trouver le nom au moment de la vidéo. Et comme j'ai pas pris de notes, et ben voilà hein. Donc je crois que c'est Hélène qui fait un carnet de où elle référence toutes ses commandes qu'elle reçoit, tout ce qu'elle reçoit. Il y a, si je me trompe pas, Audrey, donc The French, c'est pas qui, French, je ne sais plus le nom, désolée si tu passes par là Audrey, que j'ai regardé ce matin sa vidéo, voilà, c'est tout moi, qui a un petit carnet, du moins elle, je crois qu'elle a deux carnets ou deux cahiers, j'ai pas tout, voilà, qui référence aussi le nom des vendeurs, et je trouve que c'est une super bonne idée de le faire, parce que du coup, si on se fait avoir une fois, on se fait pas avoir deux fois, aussi, sur les mauvais vendeurs, donc, moi, comme je vous avais expliqué sur une précédente vidéo, les premiers DP que j'ai achetés, je les ai achetés sur Joom. Et la qualité du dernier, donc qui était un 20-25, n'était pas super. 3-6, 1-3. N'était pas super top. Et donc là, voilà, impossible de savoir le nom du vendeur sur Joom, mais je sais que bah, de toute manière, maintenant, je commande sur Ali. Donc, normalement, je commande sur Ali. Je sais que, voilà, si je devrais recommander sur Joom, ben, je ne repasserai pas par ce vendeur-là. Ouais, je suis quand même bien de travers, hein.
C'est ma marque de fabrique. Hop. Hop. Je vous finis le E. Après, je vais bloquer la vidéo parce que ça va faire une bonne demi-heure de vidéo. Et après, je vais aller me préparer un petit café pour le live d'Alexandra. Et pendant son live, entre deux questions, et ben, j'essaierai de finir ça. Et avant de vous poser la vidéo là qu'on vient de faire ensemble, je vous mettrai le résultat final avec ma chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez du résultat final. Donc à savoir, je suis pas forcément bien manuelle et bien patiente. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il y a des trucs où je peux être. Alors le DP, c'est super parce que ça me canalise, je trouve. Et que j'arrive à être patiente et à faire les choses minutieusement. Il y a des trucs où j'ai un peu du mal à le faire minutieusement. Hop là. C'est dommage que je suis partie toute de travers. Parce que je pense que ça aurait pu être avoir un meilleur résultat. Excusez-moi, j'ai voulu finir ma base du E parce que du coup je vous parle et j'ai du mal à me concentrer. Ouais, j'aimerais bien avoir votre retour et savoir si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Mais je pense que je tiens quelque chose. Je pense, hein. Je pense. Est-ce que. Je suis en train de me dire, est-ce que j'aurais pas pu faire un schéma, un croquis sur ma toile avec des petits points pour être droite. Voilà. Ça, c'est tout moi. Je me lance. Tête baissée sur un truc que je pense. Et après, bah, je réfléchis. Et puis, bah, je trouve des idées peut-être meilleures. C'est tout moi. Effectivement, je pense que l'idée, je viens de l'avoir. Ouais. Je pense que faire un petit marquage sur l'avant, avant la pose, peut être utile et peut être bien. Horrible. Je suis pas droite du tout. Je reste quand même fière de mon idée et du petit truc que je viens de faire, même si c'est tout de travers. L'idée marche, c'était le principal. Et et voilà. Donc le résultat est super, vous le voyez bien à l'écran en plus. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous laisse et enfin je vais continuer mon blabla là et puis dès que j'ai fini le nom de ma chaîne, donc ma passion d'épée, et ben je vous posterai tout ça fini. Voilà, allez, à plus tard.
Et ben voilà, me revoilà. J'ai fini ma petite création. Je suis contente de moi. Je me suis bien amusée. Bon, il est un petit peu grand. Au départ, je voulais le mettre sur mon carnet là que j'ai préparé pour mon suivi de mes DP. Mais c'est pas grave, je trouverai une autre idée. Celui-là, je vais le garder. Je vais le vernir et je pense que je mettrai tout de suite sous cadre. À voir. Et ben voilà, bonne fin de journée. À plus tard.